Bonjour, aujourd'hui on va faire un gazpacho concombre feta. Pour cela, il vous faut 2 concombres, du tabasco, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de persil, 2 gousses d'ail ou 2 cuillères à soupe d'ail en poudre, 4 cuillères à café de ciboulette, 1 cuillère à café de vinaigre de xérès, 1 cuillère à café d'huile, 1 yaourt nature et 120 g de feta. On va commencer par éplucher et peler les concombres. Donc là, on prend le concombre. On va faire une bande sur deux. Bon, on essaye de faire de belles bandes hein, quand même. Hein. Donc vous voyez, une bande sur deux. Là, vous coupez les bouts. On va le séparer au milieu. Faire 4 rondelles pour la décoration. Donc on garde bien 4 petites rondelles pour la décoration. Après, on sépare en deux, on épépine. Quand on a épépiné, on va les découper. Quand vous avez fini de découper, vous allez mettre l'huile, le yaourt. Le persil, l'ail et le vinaigre. Vous salez, vous poivrez et vous allez passer tout au blender. Je vais vous éviter ce bruit. Et n'oubliez pas de mettre les 3 gouttes de tabasco. Alors moi j'aime bien quand c'est pimenté. Après, quand vous l'avez passé au blender, hein, ou vous le laissez dans le blender, ou vous le remettez dans un plat, vous allez le filmer et le laisser reposer pendant 1 heure. Ça fait 1 heure que ça repose. Je vais enlever le film plastique et remélanger le tout. Et je vais dresser mon assiette. Et voilà mon gazpacho de concombre feta. Un repas frais qui fait plaisir et qui est très bon. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Au revoir.